Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Demain Entreprendre sur Demain TV. Et on va commencer avec un problème que l'on a tous rencontré un jour, c'est trouver un appartement ou une maison à louer. Et c'est souvent très compliqué, peu d'offres et des biens qui partent très vite. Et comme souvent, quand il y a un problème, eh bien, il y a un entrepreneur qui cherche à le résoudre. Et c'est le cas de celui qu'on reçoit tout de suite. Bonjour Lénaïque Boucher. Bonjour. Vous êtes le PDG fondateur de Cocoon. Votre idée donc, ce sont des chasseurs d'appartements pour ceux qui cherchent, je le disais, à louer. Comment ça marche ? Alors c'est un service ultra personnalisé de chasse immobilière qui est dédié effectivement à la location pour les particuliers et les entreprises, enfin les salariés des entreprises. Et on recommande de façon unique, effectivement, un chasseur par affinité qui va, dans un premier temps, notre premier pôle d'expertise vérifie le dossier de location. Et dans un deuxième temps, il va pré-vendre le dossier. Et là où le dossier est pré-accepté, proposer la visite vertueuse à son client. Alors, il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire. D'abord, c'est la vérification du dossier et la pré-acceptation du dossier. Ça veut dire que si je suis client de Cocoon et que je visite un appart qui me plaît, je suis quasiment sûr de l'avoir ? Alors, pas exactement, mais par contre, on a effectivement évacué une grosse partie de la concurrence. Il y a parfois sur des biens, on est une centaine. Hein, et c'est vrai que c'est compliqué pour l'agent immobilier de bien choisir. Et du coup, ils nous font confiance parce qu'on présente bien, on connaît bien l'histoire et surtout, le dossier il est très complet. Quoi. L'autre aspect qui est hyper intéressant, c'est que les chasseurs, ils cherchent pas un appartement juste à louer par défaut, comme c'est souvent le cas sur le marché, parce qu'il y a... pas beaucoup d'appartements, il y a beaucoup de demandes, donc ça part très vite. C'est vous cherchez l'appartement de mes rêves. Alors, on accompagne, c'est-à-dire qu'effectivement, on essaie de comprendre votre situation et on va avoir plus de choix parce qu'on adresse tout le marché et plus de réactivité. Donc, on a plus de chances que vous tout seul d'avoir le bien. Parce que vos chasseurs, ils ont, j'imagine, un réseau. Un réseau particulier qui leur permet d'avoir des exclusivités, des primeurs sur le marché, etc. Un réseau, et puis aussi on a les agents hein, qui nous écoutent. Ils savent que nos clients sont aussi des entreprises. Là, on vient par exemple de gagner l'appel d'offres Business France pour reloger les talents de la French Tech. Bon, ben, ce sont généralement des gens qui sont recrutés à l'étranger parce que compétences pénuriques qui ne se trouvent pas forcément en France. Ben, là, on les accueille, on leur explique la ville. S'ils ont des passions, on leur dit où est-ce qu'ils doivent trouver leur, le sport de leur rêve. Les habitent, etc. Ouais. Exactement. Et surtout, ben, ils parlent pas forcément la langue, donc on est capable de prévendre leur profil de manière sûre. Et les agents immobiliers aiment bien parce que ce sont des cadres, ce sont dans des startups un peu nouvelles et il y a un engouement pour ces profils. Ouais, mais parfois ils ont des profils un peu particuliers. Il n'y a pas forcément un contrat de travail à durée indéterminée, il n'y a pas forcément un salaire régulier, parfois c'est des indépendants. Là aussi, vous expliquez aux agents et aux propriétaires bah, que c'est pas parce qu'on a un profil spécial qu'on ne va pas payer son loyer. Tout à fait. La solvabilité pour nous n'est pas forcément liée au CDI et trois fois le loyer. Donc on explique la solvabilité de notre client de manière très sérieuse et effectivement on est aussi leader sur ce segment des freelances qui eux sont les discriminés du marché immobilier parce que pas en CDI. Donc nous on combat un peu ces choses-là, c'est le parti qu'on a pris de défendre ce côté de la demande dans un monde qui tourne autour des propriétaires, autour de l'offre qui est effectivement pénurique, mais dans certaines villes il y a beaucoup de rotation. Alors évidemment ça se passe pas qu'à Paris, la demande elle est énorme, il faut trouver des chasseurs, vous avez lancé une école de formation pour les chasseurs parce que vous avez besoin de trouver des gens. Oui, Cocoon Academy, en fait on recrute sur un mindset, sur un mental, niaque, empathie, humour, la façon aussi d'avoir capitalisé sur des grands moments de vie puisque nos clients, à part ceux qui sont en mobilité professionnelle, ils sont dans des grands moments type séparation, naissance, traumatisme du Covid, donc on les recrute sur ce mental là, mais par contre on leur transmet via une formation digitale d'abord et puis après via un encadrement sur le terrain, les compétences techniques de ce nouveau métier de chasseur locatif. Voilà, donc c'est peut-être un nouveau métier pour ceux qui nous regardent. Souhaitons-le, nous recrutons toujours et encore. Eh bien écoutez, ils peuvent nous écrire et on vous transmettra. Merci beaucoup Lénaïque Boucher, fondateur de Cocoon, d'être venu aujourd'hui sur Demain TV. Demain Entreprendre, ça continue tout de suite, restez avec nous. Thank you.